Bonjour chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir que de vous savoir connecté sur votre chaîne de télévision. Bienvenue sur la RTVC dans votre nouvelle émission des témoignages de conversion. En effet, la conquête et la transformation des cœurs des hommes est l'une des choses qui a coûté à Dieu un prix inestimable. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ, dont le sacrifice sur la croix est le gage même de notre salut. En effet, la Bible dit que Dieu a déployé la grandeur de sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent et même dans le siècle à venir. Parlant de puissance, le péché est l'une des puissances qui a été assujettie à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une puissance humiliée qui détruit, qui fracasse l'homme et qui le tient assujetti dans l'esclavage. Ainsi, dans cette nouvelle émission, nous voulons parler de la vraie conversion, qui est le chef-d'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie d'un homme. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ vient dans le cœur d'un homme pour effacer tous les péchés qui ont été confessés et abandonnés pour toujours. Il ne vient pas pour effacer certains péchés et pas d'autres. Il vient pour effacer tous les péchés. Il vient pour être sauveur, Seigneur et roi en toutes choses et en toutes circonstances. C'est cela même la vraie conversion. Ainsi, dans notre émission de ce jour, nous allons vous présenter le témoignage de conversion du frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général. Avant sa conversion, il a expérimenté la puissance de l'humiliation et de la destruction qui vient à cause du péché. Mais gloire à Dieu, il a aussi expérimenté l'infinie grandeur de la puissance de Dieu déployée en Christ. Qui a détruit et annihilé la puissance du péché dans sa vie. Écoutons cette belle histoire d'une vie transformée. Dans notre famille, nous avions eu une enfance heureuse, une enfance paisible, et mon père s'occupait vraiment de nous. Par exemple, en 1970, nous avions déjà un réfrigérateur à la maison. Ceux qui sont là de cette époque savent que dans les années 70, un réfrigérateur, ce n'était pas une chose facile. Et en 74, mon père a acheté une voiture neuve. Il nous accompagnait à l'école en voiture. J'étais élève dans trois écoles à Yaoundé. J'ai achevé mon cycle primaire à l'école départementale, qui est devenue maintenant l'école publique de Mélène. Et je suis entré au lycée Leclerc en 1977. Tout a été rose. Mais dès ce moment-là, il y avait beaucoup de petites choses qui se passaient déjà dans ma vie. En sixième, à l'école primaire et plus encore au secondaire, je me suis rendu compte que je commençais à voler. Je volais de temps en temps l'argent, je volais la nourriture. C'était des petits coups de vol dans la maison. Je trouvais ça insignifiant. Et après, j'ai commencé à voler des sommes d'argent un peu plus grandes pour acheter des bandes dessinées. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas les films, il n'y avait pas de vidéos. Nous étions concentrés dans les bandes dessinées, les Black et Mort, Tex Wheeler, Black, le rock, tout ça là, je lisais ça. Et il fallait acquérir des bandes dessinées. Ça fait donc que je m'arrangeais à voler et l'argent dans les porte-monnaie de ma mère, dans la caisse à la maison, parce que les bandes dessinées à cette époque coûtaient 285 francs à cette époque.
Quand je trouvais 1000 francs dans le porte de monnaie de ma mère, je venais, j'enlevais 285 francs. Je ne prenais pas tout pour l'embrouiller, pour qu'elle se perde et qu'elle ne sache pas comment il faut faire, comment retrouver de l'argent. Donc ma vie a commencé avec des vols, des coups de vol à la maison. Je volais la nourriture, je volais l'argent. Quand ma mère m'a envoyé vendre les cacahuètes, je m'arrangeais à manger la moitié et j'ai ramené une partie d'argent à la maison. Donc dès l'école secondaire, en sixième, j'ai commencé à voler, j'ai commencé à mentir. Et quand quelqu'un vole, évidemment, il va mentir. Le mensonge, le vol, et l'immoralité a commencé à pénétrer dans ma vie, dans la plus tendre enfance. Je guettais mes grandes sœurs qui se lavaient, j'avais des coups d'œil sur mes grandes sœurs qui se lavaient. Donc une enfance de malhonnête, parce que je présentais une face à mes parents. Ils ne pouvaient pas croire les actes que je posais. J'étais calme, docile. On m'envoyait, je partais rapidement, mais j'étais un voleur en secret. J'étais un immoral en secret. Et je passais le temps à jouer à ce jeu. J'ai grandi comme ça dans cette ruse. À un moment donné, quand j'ai eu 15 ans, mon père est décédé. C'était l'un des déclics de ma vie. Parce que mon père était un frein pour beaucoup de choses. Et parce que lui, il étant instituteur de cette époque, il utilisait la chicotte pour mettre les enfants en règle. Quand il est décédé, j'avais 15 ans. Alors un frein s'est lâché dans ma vie. J'ai commencé donc une vie libre. Je pouvais faire maintenant ce que je veux. Mais la mort de mon père a créé une autre chose dans ma vie. Ça a créé une responsabilité parce que je me suis retrouvé deuxième enfant du côté de ma mère. Nous étions 9 et c'était difficile. Beaucoup de petits frères qui n'avaient rien, qui ne pouvaient rien faire à 15 ans. Ma mère n'avait pas fréquenté, elle n'avait pas de travail. Et elle faisait un petit commerce qui ne pouvait pas nourrir 9 enfants dans une ville comme Yaoundé. Le pourvoyeur qui était mon père était décédé. Je me retrouve donc à 15 ans en train de porter une responsabilité. La mort de mon père a produit quelque chose en moi. J'ai porté une certaine responsabilité qui m'a amené à éviter de commettre les actes sexuels. Donc je n'ai pas commis l'acte sexuel parce que j'avais peur. Je me disais, mais je n'ai même rien. Ma mère n'a rien. Nous sommes si nombreux. Si je grossis une fille en couchant avec elle, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ça a produit donc un frein dans ma vie. Mais je voulais dire que ce frein-là, au niveau de l'immoralité sexuelle, m'a aussi poussé à aller à l'école. Je suis allé à l'école, je me suis engagé à fréquenter, à faire mes études normalement. Et à l'âge de 23 ans, j'ai eu une maîtrise en mathématiques. Et avec cette maîtrise en mathématiques, je pouvais m'en sortir dans la vie. Mais avant d'arriver à la maîtrise, j'ai continué le vol. Le vol qui avait commencé par les graines d'arachide, par l'argent dans le porte-monnaie de ma mère, s'est étendu parce que le péché grandit toujours. J'ai commencé à continuer à voler. J'ai volé et j'ai volé un livre à la bibliothèque de l'université. J'ai volé et un jour, je suis allé dans un grand magasin à Yaoundé. J'avais de l'argent dans ma poche, mais j'ai volé un article. L'article là coûtait 2000 francs. Et quand je passais devant la caisse pour sortir l'article dans la poche, on m'a attrapé. Et quand on m'a attrapé ce jour-là, on m'a amené dans une antichambre dans le magasin. Et ils ont dit que dans cette antichambre, ils m'ont dit que celui qui a volé l'argent paye 5 fois plus. J'ai béni et j'ai remercié un Dieu inconnu parce que j'avais dans ma poche 10 000 francs. J'ai payé les 10 000, on m'a remis l'article et on m'a relaxé. Quand je suis sorti de là, étudiant en maîtrise, mais voleur, il y avait ce vol-là qui était incrusté dans ma vie. C'était comme une odeur qui m'accompagnait. Et le péché ne s'est pas arrêté au vol. J'ai commencé l'immoralité sexuelle quand je suis arrivé en deuxième année à l'université. J'ai commencé maintenant à coucher avec les filles, les jeunes filles. J'ai commencé à faire la cour aux filles et à coucher avec les filles. Je voulais dire que même la responsabilité que j'avais portée, la décision que j'avais prise de ne pas sortir avec les filles parce que mon père était mort et que j'avais les charges de mes petits frères, ça n'a pas tenu. Le péché est une puissance. Le péché a renversé mes décisions. Toutes mes décisions sont tombées.
Je ne pouvais plus faire autrement. Je me suis retrouvé en train de coucher avec les filles. Une première, une deuxième. Après, le vin est venu. J'ai bu le vin. Je m'asseyais dans un bar. Je prends 7, 8, 9, 10 bouteilles et je buvais la musique. Un jour même, pendant que j'étais à l'école normale, j'ai bu un demi-whisky, tout seul. Une demi-bouteille de whisky. Et je suis rentré ce jour-là complètement ivre. Et on est venu dire à ma mère que son fils est en train de diriger la circulation. Donc je bloquais la route, empêchant les voitures de passer. J'étais totalement ivre. Je ne peux pas compter le nombre de fois où on m'a transporté dans la brouette, transporté dans la voiture pour me ramener à la maison. Un garçon de 23 ans qui était déjà un ivrogne. L'ivrognerie est entrée, le vol a continué et l'immoralité sexuelle a pris corps. J'ai commencé à sortir avec les filles, coucher avec les filles. C'était une vie pénible. J'étais déçu par moi-même. Je savais que ce n'était pas une bonne chose. J'allais dans les bals, dans les boîtes de nuit. Et je me suis rendu compte à un moment donné que toutes ces responsabilités, les décisions que j'avais prises avaient été renversées tous. Je voulais dire que le péché, c'est une puissance. Je savais que ma force, ma volonté, ma décision n'étaient pas capable de mettre fin à la puissance du péché. Mais ça ne faisait que grandir comme un hydre. Le vin, l'alcoolisme, le vol, l'immoralité. Et un jour même, je suis allé chez un guérisseur qui m'a mis 81 traits sur le corps pour me blinder contre les attaques de sorcellerie de mon grand-père. J'arrive donc à Berthoud en 1995. Entre-temps, ma femme avait donné sa vie au Seigneur. Elle avait cru. Parce qu'elle était à Yaoundé pendant que j'étais en Vomeka. Et je la trompais. Quand nous avons eu notre... Quand elle a eu sa première grossesse, elle voulait me rendre visite en Vomeka. Je suis allé voir mon ami qui était médecin. J'ai imposé qu'elle fasse ses visites chez mon ami qui est médecin. Et j'ai dit à mon ami, prescris-lui les médicaments et dis-lui qu'elle ne doit jamais voyager. Parce qu'il ne voulait pas qu'elle me trouve en Vomeka. Parce que j'avais une autre femme, d'autres femmes en Vomeka. J'avais une double vie. Parfois, on lui disait que je suis à Yaoundé. Je viens à Yaoundé, je ne pars pas la voir chez elle, je suis avec une autre femme dans une autre maison. Ma vie était pourrie, j'étais un caméléon, j'avais plusieurs vies. J'ai changé de couleur selon le milieu où je me trouve. J'étais présent la face d'un ange, la face d'un esprit, la face d'un démon. C'était méchant. Je voudrais dire que le péché a la puissance de prendre un homme et de le fracasser par terre. Je me suis retrouvé dans ma vie de fornication. J'ai rencontré trois scènes qui m'ont humilié totalement. La première scène, j'étais entré dans la chambre d'une jeune fille qui habitait chez son oncle. J'étais dans sa chambre parce que son oncle est venu à l'improviste et nous a retrouvés là. Je suis entré sous le lit. Je me suis accroché sous les planchers du lit comme un araignée. Le monsieur soupçonnait qu'il y a quelqu'un à la maison. Parce qu'il avait entendu quand même le bruit. Parce que quand il venait, c'est comme s'il venait à pas feutré. Et il a entendu du bruit. Et sa fille est partie l'accueillir. Je suis allé dans la chambre. Je suis allé sous le lit. Je me suis accroché sur le sommier. Sous le sommier du lit. Il a envoyé même le balai sous le lit. Ça ne m'a pas touché. J'ai béni encore un Dieu inconnu. Ça, c'était la première scène d'humiliation du péché. Une autre scène. Je me suis retrouvé dans la chambre d'une fille. J'étais professeur au lycée de Mvomeka. J'étais en train de coucher avec une élève qui louait sa chambre. Ses camarades sont venus rester devant la porte. Le professeur ne pouvait pas sortir. Je vous assure, j'ai eu le plus grand drame de ma vie. J'avais envie d'uriner. C'était une chambre où il n'y avait pas de toilette. Ma vessie a failli exploser. J'avais mal. Je ne pouvais pas sortir. Et ses camarades étaient dehors, elle parlait. Elle sortait, elle se met devant la porte, elle ferme la porte. Je lui ai dit, pardon. Le professeur est en train de supplier un élève. Pardon, fais partie de tes camarades, ma vessie va éclater. Quand ses camarades sont partis, je suis sorti en courant, allé derrière la maison, j'ai uriné le sang. Si ce n'était, j'ai failli avoir le système urinaire complètement détruit. Parce qu'à ce moment-là, c'est une maladie qui ne va pas. Les urines vont couler à tout moment. Dieu a encore eu pitié de moi. La troisième scène d'humiliation du péché,
Je me suis retrouvé dans la maison d'un homme marié, toujours dans la fornication. Le monsieur est rentré à l'improviste. J'étais dans la chambre. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai glissé derrière la porte. La femme s'est arrangée pour éteindre toutes les lumières dans la maison, simulant une panne. J'ai longé le mur comme une ombre, comme un papier, glissant le long du mur et fui par la porte de derrière pour partir. Quand je suis arrivé chez moi ce jour-là, je me suis demandé, oh Dieu, un Dieu inconnu, qu'est-ce que ça signifie? À part l'humiliation du péché, on m'a attrapé en train de voler dans un magasin. L'humiliation du péché, je me suis retrouvé en train d'être assis chez un guérisseur qui est en train de me faire boire les urines, boire les écorces parce que j'étais en train de me faire blender. Je vous assure, le péché prend l'homme et le fracasse. Ah, gloire à Dieu, c'est donc une réalité, cher ami. Jésus peut te transformer. Il transforme encore les vies. Peut-être comme notre frère Alphonse, tu es esclave du péché. Tu es encore sous l'esclavage du péché. Tu es en train de subir l'humiliation du péché. Peut-être es-tu esclave du vol, esclave de l'alcool, esclave du sexe, de l'immoralité sexuelle. Ou alors peut-être es-tu arrogant et orgueilleux. Nous voulons te dire que Jésus-Christ peut te transformer. Jésus-Christ a reçu de Dieu l'autorité sur le péché. Il est capable d'effacer tous tes péchés si tu es prêt à les abandonner pour toujours. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Cette semaine, en cours à Koumé, au quartier général de la CMCI, la 6e retraite des ministres assistants qui se tient du 24 au 31 mai 2019. CMCI Montréal l'a tenue le 4 mai dernier d'une session de l'École de la connaissance et du service de Dieu sous la direction du pasteur Calvin. Koumé, quartier général, tenue du 8e siège de prière organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde du 20 au 23 mai 2019 sous la direction de la sœur Esther Paul. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la radio-télévision Roi de la Croix si vous nous rejoignez pour votre journal hebdomadaire. Ils sont 136 à se réunir actuellement à Koumé pour cette 6e retraite des ministres assistants avec pour principal orateur le pasteur Théodore Endossé au programme culte matinal ministère de la parole et compte rendu des départements, commissions et nations. Le reportage de Yacine Bekolo. La 6e retraite des ministres assistants a commencé le 24 mai dernier et s'achèvera le 31 mai 2019 à Koumé, Bertois, au Cameroun, où 136 participants venant de 27 nations se sont retrouvés autour du pasteur Théodore Endossé. Les défis liés à la croissance en nombre, surtout aux explosions, aux expansions et aux extensions, et à la convention de 2019, ont poussé notre orateur principal à proposer deux axes à cette retraite. La première, c'est la revue du travail de consolidation en préparation pour la Convention mondiale. Et la seconde, c'est l'aperçu du travail de planification préparatoire pour le décollage de la phase 3. Jour après jour, le culte matinal a eu lieu avec une exhortation pendant 4 à 5 heures de temps pour le ministère à parole dans la journée. Et les sessions du soir, qui commençaient à 18h et s'achevaient à 22h, ont été réservées au compte-rendu des départements, au compte-rendu des commissions et au compte-rendu des nations. La retraite n'est pas encore achevée, mais nous pouvons déjà rendre grâce au Seigneur pour les nombreux témoignages, les nombreuses transformations, les nombreuses bénédictions et les nombreuses résolutions qui ont été prises à cette retraite. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yacine Bekolo. À l'église de Montréal, les événements se sont récemment enchaînés, notamment les conférences de la Business Academy et l'Académie des jeunes leaders présidée par la sœur Edith les 26 avril et 4 mai 2019, ainsi qu'une session de l'École de la connaissance et du service de Dieu dirigée par le pasteur Calvin le 4 mai 2019. Les détails dans ce reportage.
Salutations à tous et à toutes. Cela fait quelques semaines déjà que nous sommes grandement bénis au sein de la CMCI de Montréal par la tenue de conférences et événements. En voici un aperçu. La fin de semaine du 26 avril 2019, nous avons reçu la sœur Edith de Belgique pour la tenue de la Business Academy au sein de notre centre principal. Nombreux ont été les participants en ce jour. À travers cette formation, les disciples apprennent à multiplier et à faire fructifier leurs talents afin d'obtenir une entreprise rentable pour la gloire de Dieu. Ainsi, le 4 mai 2019, une fois de plus présidée par notre chère sœur Edith de la Belgique, se tint l'Académie des jeunes leaders. De nombreux enfants ainsi que leurs parents y assistèrent. L'objectif principal étant de former des leaders parmi les jeunes chrétiens ayant eux une influence positive sur le monde et non le monde ayant une influence sur eux. En date du 4 mai 2019, se tint également un séminaire de formation, soit la tenue de l'école de la connaissance et du service de Dieu de 13h à 19h. Plusieurs pasteurs et missionnaires du Canada se rassemblèrent pour cette session de l'école de la connaissance et du service de Dieu. Le titre étant « Dieu, notre œuvre et le travail en équipe », nous avons appris l'importance du travail d'équipe concernant la vision de Dieu pour notre ministère ainsi que l'élément clé, soit de savoir mettre sa volonté de côté pour effectuer celle de Dieu telle que le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Présidé par le pasteur Calvin ainsi que le pasteur Alexandre Sosso à la traduction, cette session de l'école de la connaissance et du service à Dieu dévoile un aspect particulier au travail d'équipe et à l'accomplissement de la vision de Dieu. Qui n'est pas juste de sa volonté, which is not just his will, qui est en fait celle de Christ, which is in fact that of Christ, mais en réalité celle du Père, but in reality that of the Father, afin que toute la chaîne, so that the entire chain, soit en train de faire la volonté du Père, will be accomplishing the will of the Father, chacun à son niveau, each person at his chacun level, chacun pour sa part, each person on its own, un travail d'équipe. J'ai été transformé. C'est un moment qui va seulement influencer le reste de ma vie. Donc, gloire à Dieu. Très béni. Je pense que pour une première, l'école de la connaissance et du service de Dieu à Montréal, pour nous venant d'Ottawa, ça a été une grande, grande bénédiction. C'est une bénédiction de comprendre et de voir ce que le Seigneur a voulu pour nous dans le ministère. Donc, je pense que j'ai reçu ce qui était nécessaire pour être recadré afin de pouvoir être aligné avec la vision du ministère. Alors, l'idée c'était quoi là? C'est de nous centrer, de nous ramener là dans quelque chose qui a été sur le cœur du leader, du frère Théodore depuis ces quelques années. Consiste à ramener nous tous à se rendre compte que c'est notre œuvre et d'une certaine manière. Et on a pu marquer un point là pour pouvoir avancer ensemble parce que c'est le seul chemin pour être un. À savoir, ben, on vient avec toutes nos contributions, chacun avec sa contribution, mais en fait pour faire une seule et même volonté, celle qui a été révélée, celle qui est de Dieu. C'est ce qui complète le récapitulatif de l'activité des dernières semaines au sein de notre centre principal à Montréal. Kisha Nandi pour la RTVC Montréal. Une autre victoire a été remportée à travers la tenue de ce 5e siège de 80 heures et 8e depuis le début de l'année, organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. Habituellement présidé par la sœur Esther Kwanan, dirigeante de l'institution, il a été marqué cette fois par la visite du pasteur Théodore Endossé qui a tenu à encourager la fidélité des frères. Le reportage de Jacques Wittin. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a tenu le 8e siège des prières de l'année 2019 à Koumé sous la direction de la sœur Esther Kwanan de 12h le 20 mai au 23 mai 2019. Cette deuxième bataille du mois de mai 2019 a été spéciale. Plusieurs dirigeants et missionnaires internationaux de notre ministère ont été au rendez-vous en plus des soldats habituels. Les choses ont commencé le 20 mai à 12h précises au lieu habituel. Plus de 50 éléments de ce bataillon sont présents.
L'événement coïncidant avec la fête nationale, la dirigeante de l'institution a saisi l'occasion pour offrir un stylo à billes à chaque participant, ce qui a immédiatement déclenché une vague d'actions de grâce suivie de cantiques et d'adoration. Cette phase qui a rendu la présence de Dieu réelle pour l'équipe a incité directement la sœur Esther Conan à amener les soldats à commencer à décharger les différents fardeaux de cette rencontre, à savoir le frère Théodore, son intimité avec Dieu et ses buts de 2019, le but de 5 millions de membres dans notre ministère en fin 2019 et le succès de la 3e convention mondiale de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le point culminant de ce siège de prière a été marqué par l'entrée du frère Théodore au front de la bataille le mercredi 22 mai 2019 aux environs de 12 heures. Prenant la parole, il a posé deux questions. La première a été « Et qui aspire à être le successeur de la sœur Esther Conan au cas où le Seigneur la retire ?» À cette question, deux doigts se sont levés. C'est le fardeau, c'est la vision, c'est l'amour et c'est la relation avec le Seigneur Jésus et le frère Zach qui l'a transformé à être ce qu'elle est. Le ministère est en train de grandir. Ce qu'on est en train de faire ici, on a besoin de faire ça, de multiplier ça 100 fois. Donc, on n'est pas en train de demander parce qu'on veut qu'elle meure. On est en train de demander parce qu'on a besoin de multiplier ce qui est en train de faire ici 100 fois. Il a continué en disant qu'il nous faut 100 endroits où l'investissement dans la prière, le jeûne, le don et le service est fait comme Akoumé. La seconde question est celle-ci. Et qui a assisté à tous les sièges de prière du centre de prière depuis le début de l'année 2019. 20 doigts sont montés au ciel et il a offert un don unique de 10 000 francs à chacun pour sa fidélité. Ceci a été suivi des témoignages sur les transformations opérées dans les vies pendant les sièges passés. Dans son message, le leader a partagé sur les dispositions intérieures requises pour bien prier. Il a dit, je cite, « Pour bien prier, il faut une tête claire et un cœur sobre. » Le message terminé, le frère Théodore a exposé les fardeaux de son cœur. Il a dit, je cite, « Il me faut 100 équipes critiques qui donnent à la conquête du monde au quartier général. Il faut que les dirigeants de notre ministère soient forts. » Après avoir donné les caractéristiques d'un dirigeant fort à partir de 2 Timothée chapitre 4, verset 5, les cieux ont été pris d'assaut pour réclamer ses dirigeants. Le siège s'est poursuivi et s'est achevé le lendemain vers 20h, après que tous les fardeaux aient été déchargés. De Koumé pour la RTBC, Jacques Kouichi. C'est la fin de ce journal, une fois de plus, les titres. Cette semaine, en cours à Koumé au quartier général de la CMCI, la 6e retraite des ministres assistants qui se tient du 24 au 31 mai 2019. CMCI Montréal l'a tenue le 4 mai dernier d'une session de l'École de la connaissance et du service de Dieu sous la direction du pasteur Calvin. Koumé quartier général, tenue du 8e siège de prière organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde du 20 au 23 mai 2019 sous la direction de la sœur Esther Conan. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Restez scotchés sur la RTVC. Soyez bénis.